Alors du coup, j'en suis à... Déjà, qu'est-ce que j'ai dans l'inventaire? Bon, charge. Ok. Elixir de régénération. Ah oui, ça c'est ce que j'avais acheté. Elixir de l'étoile du matin. Éclat d'éthérite. Ok. Ok, point d'attribut, point de talent. Ouais, j'ai pas grand chose. Vraiment violent, je pense que ce serait pas mal. Permettrait d'avoir un truc qui booste les dégâts, ça pourrait être vraiment intéressant. Sachant que ça coûte que 25, c'est pas énorme. Après avoir fait une glissade avec les dagues, vous pouvez dépenser des PE pour enchaîner avec cette attaque. C'est dans MH ça. Ça aussi c'est dans MH. Beaucoup d'inspiration MH. Hein. Alors par contre, visiblement, c'est... J'ai du mal à voir avec quoi c'est... Parce que ça, c'est avec la lance. Ok. Ça a l'air moins cool qu'avec les lames, hein. C'est pas mal ça. Ah, les lames qui se combinent. Ah, il y a quelques petites originalités. Ouais, je suis pas méga fan. Je pense que c'est plus intéressant de... Et parce que le bâton... C'était le... Où est-ce qu'il était le bâton? Ok. On va peut-être partir sur le... Peut-être partir sur le... Sur le boost du vent violent. Parce que ça, c'est juste un truc. Et je me dis que contre un boss, ça peut être pratique. Paramétrer les compétences. Ah ouais, c'est bon, ça a déjà été mis. Ah, visiblement ça coûte plus 25, ça coûte 23, peut-être parce que j'ai un truc qui me booste les trucs. Ah oui, je peux enlever les trucs. C'est vraiment fort, hein. Le bâton c'est assez broken, hein. On va pas se mentir. Ah,
Visiblement, c'est par là qu'il faut aller. Oh purée! Oh genre. Ah, maintenant vous allez tous exploser les gars. Débloqué. Il a du mal, hein. Un coffre, ça fait plaisir. De la strélite. Alors, du coup... merde. Pas de sortie. Ah si, purée. J'avais pas vu les escaliers. Alors non, on va pas par là. J'avais encore un dernier truc à... Bloc d'argent. Pas fond noirâtre. Moi j'ai le syndrome Dark Souls hein, quand il y a... Ah, je me disais bien. Moi je vois deux coffres, je me dis c'est quand même bizarre. Hein. Donc ce truc est un mimique hein, et c'est rigolo parce que ça a la même fonctionnalité que Dark Souls. Je trouve ça trop rigolo. Là, le bâtard. Ah
Ok. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il soit... à ce qu'il soit aussi fort. Hein. Le bâton est fort. Hein. The mark on this bag looks familiar. Must belong to Quintus. I'll give it to him when I get the chance. Ah, cool. Ok, là je viens de tourner en rond. Parfait. Je dois remonter. Bah, j'en profite pour aller voir Quintus. Quintus... Enfin, il est pas par là. Can this humble servant be of service, friend? Ah.
Ah, il a pas de... Et si je fais vendre? Ok, bon bah ça change rien. Ok, je pensais que... How can this humble servant be of service, friend? Bon bah tant pis hein. Je voulais lui rendre son. Visiblement je ne peux pas. Ah, sauf que depuis l'autre côté. Génial. Du coup on va redescendre jusqu'à... Jusqu'à la croix là. Enfin la croix, voilà ici. Il y a une hache. Tread carefully now. Uh-huh. Tu vas faire quoi? Ah, c'est bon. Il a commencé à réfléchir. Alors lui... Débile. Qu'est-ce qu'il est con. Voilà. Bon, l'intelligence artificielle des ennemis, elle est un peu... Oula, oula. Ok, ça va. Elle est un petit peu au rabais. Hein. Bon, ça sent un peu le boss, j'ai l'impression. Ah ouais, mais il y a beaucoup de gens. Par contre, ça va me permettre d'aller de l'autre côté. Ouais, ok. Donc ça, c'est bien, ça. Ok, donc ça, c'est... Ça va se fermer quand je vais y aller. Donc on va pas y aller tout de suite. Alors, lettre de Etrus. Cher Baharad, quel bonheur de faire enfin votre connaissance, votre réputation vous précède dans les ruelles noires. Nous avons un profond respect pour le gang des haches et espérons faire plus ample connaissance. L'Etrus est persuadé que nous trouvons arranger vos problèmes. Bien à vous, H. Peut-être Harold. C'est quand même con, hein. Il y a un peu aux fraises. Ah, tu prends le bâton, c'est bon. Hein. Là, les mobs, ils font plus rien du tout. Kezako. On dirait un... On dirait un
un chien de feu. Ah si, quand même, je me fais un peu... Par contre, je peux pas interagir. Okay, ça ne change rien. C'est juste un animal qui est en feu. Bah c'est parti, hein. On va se taper un gros truc. Y'a rien de l'autre côté? Oh si, non, y'a rien. Right hand of Lord Barad. Don't take another step. I don't know your connection to Quintus, but that's not important now. First, I'll kill you, and I'll tear Quintus apart. Now die! Paniquer. Il est pas si effrayant que ça. Je vais aller directement dans le... Abusé là.
Ah, Quintus. Oh, friend, that was splendid. Decimus was just as powerful as the rod, yet you vanquished him with ease. On m'a battu quand même deux fois. You could easily make quick work of Barad as well. I didn't come here for Barad. My mission is to get in, get the shifting stone, and get back out undetected. Yes, but with him out of the picture, you wouldn't have to sneak around. Much harder to move around undetected, now that you've killed Decimus. It's better to have more options as to how you complete your mission. By the way, friend, I've heard some information that I think you should know. Where did you hear that the stone's been moved? It wasn't hard at all, friend. There's no shortage of people willing to give information in exchange for small incentives. Barad isn't the most popular character after all. All you need are reliable informants, flexible methods of inquiry, and a careful mind. Friend, please don't say it's only now that you begin to appreciate my talents. To be fair, the first time I tried to meet you, you ditched me. Please, give me some time, and I'll prove myself. So if Barad is so bad, why has no one overthrown him? Those who can overthrow him look on indifferently, and those who want to are powerless to do so. To be honest, Minerva's adherents belong to the latter. If Barad were to die, it would be a huge advantage for them. Really? I don't know. Minerva told me to keep a low profile. Isn't the reason obvious? The mistress doesn't think you can kill Barad. Of course you're so strong, friend. But if I was the mistress, I wouldn't believe you could defeat Barad either. Maybe. Barad probably moved the shifting stone to lure me in. You know what? I'd actually like to see for myself how ugly that face of his really is. Friend! This is as far as I go, friend. I'll only slow you down if I keep going. But don't worry, I'll try to stay here. If you need to retreat. I don't do retreats. It's not my style. And even if Barad won't give me the shifting stone, I'll figure out a way to get it. Leave it to me. Ah, you certainly are reliable. Then I'll await your good news. C'est quand même un vice là. Hein. How can this humble servant be of service, friend? This is a salon niche. But don't. I don't do retreats. T'as rien de nouveau, je suppose. Mais non, t'as rien de nouveau, évidemment. Allez, une orbe à flashback. Rod, what are you going to do with the shifting stone? Who cares? My target is the Stardust. The gods only know what the stone is for. I only ask. Because I received information that the Aetherus want to come and examine it. What? Just who leaked its whereabouts to them? We both know who did it. Anyway, they seem to be very interested. Even if we don't infringe on each other now, they will cover this place sooner or later. Should we offer them the stone to maintain the current peace? I think they might make their move after the war in order to weaken us. I really don't trust the Aethers. What do you think? Do they even have a chance of beating the Archon? Actually, I think their chance of victory is very high. That's not
Good. I've made my decision. If the address makes an inquiry, just set a price with him. The higher, the better. Ah. They'll help me be rid of the curse. But if they want me to submit to them, that's a totally different matter. Understood. Ok. Je sens que la pierre de mobilité, elle ne sera plus là. Trouble? A child? My, my. How impressive. Hey, I'm not a child. I can't let you leave this granary alive. Not after you've killed so many of my men. I'm curious. What the hell are you doing here in the black streets? Ah, je peux tenter de négocier. Ah, ce serait marrant ça en vrai. I didn't want to hurt them, especially when they can't really hurt me. I just need something from here. As long as you give it to me, I promise I'll never set foot in the Black Streets again. I see. How about this? I give you what you want, and in return, for me. You what? Do you think you can just come in, kill some people, and run off with the loot? How do you think people would look at me if I let you go? You don't seem to care at all, just barging in here. I like that. I mean... Shut up! I'm not done yet. Come work for me. It'll save my reputation, and you'll get what you want. Just name it. I'm sure your skills are worth the price. All right. You can speak now. I refuse. I'm a warrior, not a mercenary. We have nothing more to talk about. Then, well, I have another proposal for you. How about I just kill you here and parade your head through the streets on a spike? Okay. It's been a while. Ah, il fait du feu. Seigneur de Rue. Bon, eh ben, je pense que ça va pas être comme avec le crocodile. Hein. Je peux prévoir ça, moi. Euh...
pas intérieur. Oh, je suis pas si loin. Je devrais pas augmenter. Ah, j'ai quand même des trucs. Alors, en point de talent, qu'est-ce que je peux mettre? Ça, ça pourrait être bien. Et je pense que ça aussi, ça pourrait être bien. Et en point d'attribut, je me demande si je devrais pas augmenter mes PV. Combien c'est? Là j'ai augmenté de combien? Là j'ai augmenté de 45. Là aussi. Alors sachant qu'il m'inflige 400 de dégâts. Ça, je pense que ça peut être pas mal. J'avais tellement bien joué. Par contre, il fait mal, hein, purée. Oh, les boules de feu, ça fait... Ah, ça pardonne pas, hein. Ça lui fait rien du tout. Oh!
Quand t'es pris dans l'attaque, ouf. T'es pris dans l'attaque, ça fait mal, hein, purée. J'avais pas vu qu'il y avait de la farine en fait. J'ai pas fait gaffe sur le coup. Mais il est con lui aussi, il est entouré de farine explosive. Explosive, pardon. Oh, je suis bête. J'aurais dit quelque chose qui... C'est un truc qui m'a sauvé sur le dernier, sur la dernière attaque. On va pas se mentir. Si je descends, il se passe quoi? Donc on va monter. Ah, une clé spécifique est requise. Oh, il y a un truc là-bas. Alors. Et je voulais l'orbe à flashback. D'abord l'orbe. Accord secret. Everyone says the Ethereus is the source for our magia. Yes, please rest assured. The sublimation can help everyone. I promise to free you from the curse, and the ritual is at no cost. Oh.
Are you sure you won't accept my treasure? I know that once the ritual is successful, my appearance will become great publicity for the Aethras. I don't believe this is all you desire. Just name it. As long as you take my pain away, I'll give you anything. Ideals and truth are a part of the religion. I already have everything I need. However, bien sûr. If your generosity hasn't been exaggerated, I do hope we can make peace between the Warax and the Empress. Done. You have my word, woman. It shall be so. Decimus, give the order. From here on out, the feud between the Warax and the Empress is over. Conflicts, the territorial spats, they are forgotten. Let us end it all with a banquet. That is... this is fantastic! You have my deepest thanks! What a wonderful moment! Come, let's enjoy the Stardust wine before the sublimation ritual. Okay. Alors, dîner politique d'Euménide, don de 50 pièces d'or et 19 d'argent. Banquet organisé par Euménide, don de 157 pièces d'or et 10 d'argent. Banquet organisé par Baem, 38 d'or et 10 de cuivre. Banquet de charité d'Euménide, don de 80 pièces d'or. Effectivement, c'est une belle somme. Invitation, cher Baharad. Vous êtes cordialement de nouveau invité à une réception durant laquelle nous discuterons de l'avenir d'AF. Elle aura lieu dans 3 jours, au crépuscule à la Maison du Faucon dans le quartier des Aristois. Nous espérons vous y voir afin d'échanger sur le sujet susmentionné. Bien à vous, sénatrice Sérine. Des invitations doivent dater de plusieurs siècles. Quel lien Baharad possédait-il avec les Aristois? Je me demande si elles ont encore... J'ai pas eu le temps de lire, dommage. Cher Sorturion Billon, j'aimerais appuyer la candidature d'Andreas pour rejoindre l'académie militaire, afin qu'il soit rapidement enrôlé dans l'armée. Ce n'est qu'un mercenaire étranger, mais il a prouvé maintes reprises qu'il est un homme de vertu et de talent, loyal et dévoué envers la cité d'Af. Merci de donner toute la considération nécessaire à sa candidature. Bien à vous, Euménide de la maison de l'olive dorée. Oh bah purée, entre le laurier et l'olive là, c'est... En fait, c'est Déméter, la chef de ce bazar. Obligé. Cher Baharad, j'ai rédigé une lettre de recommandation pour Andreas à l'armée. Il devrait bientôt recevoir son ordre de mobilisation. J'ai ainsi respecté ma part du marché en un temps record. J'espère donc... que vous en ferez autant et que vous vous recommanderez les sénateurs dont nous avons parlé. J'organise sous peu une réception privée et je vous laisse le soin d'en choisir la date. Bien à vous, Euménide. Oh ouais. Bon, il y a l'air d'y avoir du conflit politique, c'est cool. History repeats itself. Tyranny inevitably leads to violent revolution. The common people believe that prosperity and peace shall return as the tyrant collapses. The true test, however, never starts until the oppressor is gone. Can bring it to Minerva, but I wonder how she'll feel about Barad's death. Ah, c'est lui qui m'a attaqué, hein. Moi, j'étais parti pour négocier. Une animation se déclenche lorsque vous terminez la quête principale d'une zone. Vous pouvez continuer votre exploration ou retourner au refuge pour terminer la quête auprès de Minerva. Un symbole de Rhodos peut vous téléporter instantanément au refuge.
Ah, c'est peut-être pour ça aussi que ça peut être utile. Ce ne sont pas des objets de grande valeur, mais ils ont un certain prix. Ils ont l'air pressés. La corde de... Ok. Ok, j'ai même pas eu le temps de lire, c'est dommage. Fragment, ok. L'ascenseur qui prend bien son temps. Ah, j'ai loupé un truc. Marée noirâtre. Est-ce que toutes les zones sont connectées ou pas? Have blocked the road. The fire in Shantai could help me with them. Aller de l'autre côté. Je vais revenir voir Minerve après, mais d'abord on va essayer de trouver un truc qui me... Ah, symbole de Rhodos. C'est pour nous dire retourne au machin. Retourne au QG. Pas monter, c'est sérieux cette blague. Ah. Bon, bah rien à l'intérieur. Ah bah voilà. Maybe I should bring this back to Minerva.